Relocaliser la zone de recherche, c'est l'objectif que se sont fixés les enquêteurs après ces nouvelles révélations faites par l'armée malaisienne. En effet, une heure après avoir décollé, le MH370 aurait changé de trajectoire. Il aurait fait demi-tour, perdu de l'altitude et pris la direction du détroit de Malacca, le corridor commercial le plus emprunté au monde qui longe les côtes occidentales malaisiennes. Alors qu'Interpol écartait hier la thèse terroriste, la CIA, elle, se montre moins catégorique quant à ce scénario. On fait le point en images. Une déclaration qui renforce un peu plus le flou sur le sort du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le directeur de la CIA était l'invité d'un des centres de recherche les plus influents en matière de politique étrangère. Et sur l'affaire du Boeing disparu, John Brennan s'est montré bien moins catégorique qu'Interpol. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations en ce moment. Certaines revendications n'ont pas été confirmées ou corroborées. Nous étudions toutes les hypothèses très attentivement. Nous travaillons avec le FBI ici, à la CIA et d'autres agences. Et nos homologues malaisiens font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de regrouper tous les morceaux du puzzle. Il est clair que ces zones d'ombre restent encore un mystère et c'est très inquiétant. Et lorsque la présentatrice questionne directement le patron de la centrale de renseignement américaine sur l'éventualité d'un attentat, ce dernier reste ferme, expliquant que rien ne permettait d'exclure une telle piste. Sur le terrain, aucune avancée notable. De plus en plus de Chinois, dont des proches étaient à bord de l'avion, se rendent à l'aéroport de Kuala Lumpur. Et au niveau des recherches, première défection. Les autorités vietnamiennes ont indiqué qu'elles réduisaient leurs efforts tant que la Malaisie ne leur communiquerait pas plus d'informations précises. Voilà pour le point. Et pour en parler plus en détail, nous sommes en ligne avec Alain Charret, spécialiste du renseignement et des écoutes. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on a l'impression d'avoir posé toutes les questions sur cette affaire, mais un mystère tout de même. Est-ce que l'avion peut sortir subitement des radars ? Oui, bonjour. Non, effectivement, pour un avion de ligne, il est quasiment impossible d'échapper à la couverture radar. Même en déconnectant le transpondeur, l'appareil sera toujours repérable et repéré par les radars de détection. Alors pourquoi on n'a jusqu'à présent aucune trace ? Quelles seraient les pistes envisagées ? Alors, les pistes sont nombreuses. Hein. Ça peut être une explosion en vol, ça peut être assez difficile compte tenu de peu d'éléments, même de l'absence d'éléments recueillis, de se faire une véritable opinion et quasiment toutes les possibilités restent ouvertes. Quoi. Un autre élément pour le moins étrange et notamment pour les familles, pourquoi alors qu'on dit que les téléphones sonnent toujours, on ne peut pas les localiser ? Oui, alors le fait d'entendre l'appareil sonner, en fait la tonalité, la sonnerie de ces appareils est souvent utilisée par les opérateurs comme tonalité d'attente afin de déterminer la zone géographique où se trouve l'appareil appelé et de se connecter à la bonne antenne relais. Donc cela signifie pas malheureusement que ces appareils sont toujours en activité. Mmh. Merci beaucoup Alain Charret pour ces précisions et ces détails donc sur cette affaire du Boeing toujours disparu.